Aujourd'hui, j'ai pas mis de maquillage, comme vous pouvez le voir, parce qu'aujourd'hui, je vais à la piscine. Je suis allée m'inscrire hier, j'ai trop hâte d'y aller. En plus, c'était pas cher, ça coûte 20 livres, donc environ, je sais pas, 30 euros à peu près. Et on peut y aller, donc ça coûte 20 livres par mois, et on peut y aller autant de fois qu'on veut. Donc, je pense que ça va me faire du bien. Et ouais, parce que avant, je faisais un travail très physique, on marchait environ 10 km par jour. Et depuis que j'ai arrêté, ben, j'ai pris un petit peu de poids que j'aimerais bien perdre. Donc voilà, donc, j'espère que ça a marché. En même temps, j'aime bien la natation, donc ça va aussi faire du bien au moral. En plus, vous avez vu quel temps il fait aujourd'hui, il fait super beau. Et en plus, il paraît que le beau temps est là pour rester. Il va faire 20 degrés aujourd'hui. Vous avez vu qui m'a suivi pour promener le chien? Casey, look at me. Look at me, Casey. Look at me. Et pop, hop. Ouais. Mes voisins, ils rigolent des fois quand ils me voient promener mon chien et Casey qui nous suit. Mais Casey, hier, elle a pas été sage. Je vais vous montrer quand je rentrerai à la maison ce qu'elle m'a fait. J'étais pas contente, hein. Ça, je peux vous le dire. C'est la première fois cette année que j'ai pu sortir sans manteau et habillée en été de haut en bas. Oui. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon sac pour aller à la piscine. Ce sac est super vieux, c'était mon sac de cours quand j'allais à l'école, donc il a au moins 12 ans. Alors, un élastique pour les cheveux. Des lunettes de plongée. Ma serviette. Le plus important peut-être. Mon maillot. Oups. Une bouteille d'eau pour quand je vais sortir. Et une petite compote au cas où que j'ai faim. D'ailleurs, j'ai un truc à vous montrer. Regardez ce que Casey m'a fait hier. Donc hier, en sortant de la piscine, je suis allée acheter une nouvelle serviette de bain pour, spécialement pour la piscine. Et je l'avais mise sur mon lit. Et quand je suis revenue, j'ai trouvé Casey assise dessus. Donc je me suis dit, oh là là, quand je vais m'essuyer, je vais être pleine de poils. Et non, il n'y avait pas de poils sur ma serviette. Par contre, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais la vilaine, elle m'a griffé tout ma serviette. J'étais dégoûtée. J'ai coupé les ficelles qui pendaient, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit pas très bien. Donc ma serviette, même pas utilisée une fois. Et Casey me l'a dégommée. Mais bon, c'est un peu de ma faute, j'aurais pas dû la laisser sur le lit non plus, mais bon. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Voilà. Me voilà de retour de la piscine et maintenant on va aller au parc promener Poppy puisque il fait super beau dehors. Toujours, regardez, attendez, je sais pas si on voit par la fenêtre. Ouais, il fait toujours super beau. Donc ça donne franchement envie de rester dehors, donc voilà, on va aller promener Poppy. Et ouais, donc ça fait beaucoup de sport quand même pour une journée, hein, mais bon, ça fait du bien, ça fait du bien. La rivière a disparu. Regardez les petits bateaux là-bas, on dirait qu'ils sont échoués. Un petit étang pour faire des courses de bateaux télécommandés. Yes, Poppy, we're going. Hello, Jack. You're enjoying yourself on the wall there, Pop? One time she actually jumped over, not realizing it's steep drop. Hey Pop! Il y a quelques jours, il y a eu une course à pied ici dans la boue. On voit toujours leurs traces de pied, regardez. Vous avez vu, comparé à là. Vous auriez envie, vous, de faire une course dans la boue? Pas moi. Tiens, quand la